Yo, salut tout le monde. Ici Coche en direct pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à faire... I know you wanna do that. Pour ça, il faut savoir faire deux sons. Le premier son, c'est celui du cœur, comme ça. Et pour faire ça, il faut essayer de dire ou en empêchant l'air de sortir par la bouche, comme ça. Comme quand on a envie de vomir. Non, j'ai pas dit qu'il fallait vomir, j'ai dit comme quand on a envie de vomir, quand on fait comme ça. Ce qui est très important, c'est qu'il faut pas que ça passe par le nez, faut pas faire. Il faut vraiment que ça passe par la bouche. Parce que regarde, même quand je me bouche le nez, ça marche. On le sent passer par là. Et si tu le fais dans les aigus, ça fait le son pour verrouiller les mercos. Deuxième son qu'il va falloir savoir faire, c'est le son de la cafetière italienne. Ça fait comme ça. Pour faire ça, il faut dire coup et essayer de lui bloquer l'air comme ça. T'es en avant et en arrière, en soufflant et en aspirant. Genre à la Dark Vador, tu vois. Je suis ta mère. Et une fois qu'on a ces deux ingrédients, on va les mélanger ensemble, ça va faire une émulsion. Et tu vas voir, après ton gâteau, il va y avoir du croquant, du craquant, de la douceur, de la gourmandise. T'es, ton gâteau, ça va être de la tuerie, quoi. Voilà, c'est une manière de voir les choses. On va mélanger les deux sons, le cœur et la cafetière italienne en avant. Tu vois, ils sont bien tous les deux ensemble. Et après, on fait ça. I know you wanna do that. C'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez, je vous laisse. À la prochaine. Petite astuce, si tu rajoutes un peu de groove, derrière le gâteau, il est croquant, c'est une tuerie le machin.